Aujourd'hui, je vais vous parler de la galerie photo qui permet d'afficher tout un tas de photos sur votre site web. Bien sûr, vous aurez créé une page ou un article. Vous allez cliquer pour rechercher votre module galerie. Et une fois ouvert, vous allez cliquer sur cette icône pour pouvoir rentrer plusieurs photos. On va en rentrer une douzaine. Et on va les charger. Les photos s'affichent par 4. On va changer le nombre que l'on peut afficher. On va mettre 12. Et dans les éléments, on va paramétrer l'affichage du titre et la légende et l'affichage aussi de la pagination. On va les enlever dans un premier temps. On peut éventuellement mettre un lien sur le module que l'on va ouvrir soit dans la même fenêtre, soit dans un onglet différent. Et on peut mettre aussi un fond, mais on voit que le fond sur l'extérieur n'est pas noir. On va pouvoir ajuster ceci en mettant sur la section un fond noir. Ensuite, dans l'onglet style, on va pouvoir mettre un modèle soit en grille, soit en diapositive, un petit peu comme un diaporama. Et on va pouvoir travailler sur l'orientation de la vignette, soit en portrait, soit en paysage. Sur la superposition, on va pouvoir travailler sur la couleur de l'icône en superposition. Donc là, on voit qu'il est rouge, on va repasser en bleu. Et sur la couleur de fond de superposition aussi. Et on peut régler l'opacité sur les trois petits points qu'il y a à gauche. On peut aussi changer l'icône. Et dans l'image, on peut mettre en place une bordure, changer sa couleur, mettre une ombre à chaque image, travailler sur un filtre sur chaque image. On travaille sur la saturation, sur la luminosité. Et sur un effet sépia qui vieillit la photo. Pour le texte, on va remettre en place dans Contenu l'affichage du titre et de la légende, ainsi que l'affichage de la pagination. Donc dans Texte, on peut l'aligner à droite, à gauche ou centré. Sur le titre, on va pouvoir changer sa couleur, agrandir la taille, mettre tout en capital, tout en italique, et on va pouvoir faire de même sur la légende texte. On va pouvoir travailler sur l'espacement des lettres. Et sur la pagination aussi, donc comme toutes les photos sont sur la même page, il n'y a pas de pagination. Je vais enlever ces éléments. Je vais revenir dans Style. Et dans Dimension, je peux gérer la dimension du module, centrer le module, le mettre aligné à gauche ou aligné à droite. Dans l'espacement, je vais pouvoir traiter les marges extérieures et les marges internes à chaque photo.
Ensuite, je peux travailler sur les animations et régler la vitesse, l'opacité. Dans l'avancée, on retrouve toujours les mêmes paramètres comme les identifiants, les classes CSS. La visibilité pour afficher sur un téléphone, sur une tablette ou sur un bureau. Les transitions pour régler les transitions. La position, soit relative, soit absolue, soit fixe. Et les effets de scroll lorsqu'on monte et l'on descend l'écran, la page. On va travailler sinon sur la ligne. Donc on voit qu'il y a une structure de une seule colonne. Et dans dimension, on va régler la gouttière. Donc on va utiliser une largeur de gouttière personnalisée et on va la régler à 2, on voit que ça diminue, et à 1, il n'y a plus du tout de gouttière. Voilà, maintenant on va prévisualiser la page. Donc toutes les images s'affichent bien et lorsqu'on clique sur une image, elle s'agrandit sur toute la largeur de votre site web. Et avec la touche Escape, on revient en arrière. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la description de la vidéo sur YouTube ou alors sur l'article sur monrépondeurautomatique.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.